On reprend la route ce matin pour aller voir Monument Valley, Mexican Hat, des pétroglyphes de la tribu indienne Anastasi. Road trip en territoire indien. On est toujours sur la route 66. Let's go! Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Nous faisons un petit stop au Sunset Crater. Journée road trip, on s'arrête à n'importe quel national park. C'est totalement inattendu. Nous sommes dans un parc donc volcanique. On est en train de marcher dans une coulée de lave ancienne avec des pins et des bouleaux. Donc ça change totalement. La dernière fois qu'on avait marché dans une coulée de lave, c'était au Costa Rica. Là, ça change totalement. Il y a des pommes de pin de partout, des petites aiguillettes de pin. La coulée de lave est très impressionnante. On est proche de la nature. Un petit stop, finalement, pas mal. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty. Un petit stop en territoire Navajo pour voir la fin du Grand Canyon et les prémices de Monument Valley avec les plateaux qui s'effondrent sur eux-mêmes. Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. Nous voilà devant Monument Valley. Contente? Oui, oui, oui. C'est super joli. Carcass in that county jail. Early next morning, about a 9:30, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, "Come on, you dirty hack, into that district court." Nous voilà dans un nouveau parc. On est arrivé en Utah. On est au parc de Gooseneck. Et on voit en bas là la rivière San Juan qui mange la roche et ça nous fait un super point de vue. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, "Lordy, Lordy, have mercy on me." Dernier arrêt sur notre route entre Williams et Monticello. On est à côté de Bluff, pas très loin de Monument Valley qu'on vient de passer. On s'arrête dans la réserve des pétroglyphes
de Sand Island. Donc ces pétroglyphes ont été faits par la tribu indienne Anasazi. Ils ont entre 300 et 3000 ans, en plein milieu de la nature, sans aucune protection, mis à part cette petite barrière. On peut marcher le long d'une paroi qui est remplie de pétroglyphes. 3000 ans d'histoire nous contemplent. On s'arrête plus, direction Monticello. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you got